Allez, mettez-vous en face de moi maintenant, en face de moi et vous me regardez en garde. Allez, 1, 2. 1, 2. 1, 2. On va sur le côté. On va sur le côté. Hop en haut. Voilà. Hauteur de... Ils ont l'âge du rêve, celui où l'on s'enflamme pour les exploits des autres. C'est la jeune garde du ring cargésien. Une trentaine de licenciés, toutes catégories confondues, unis dans l'effort et la passion. Dis-moi, Coco, tu peux me dire pourquoi tu fais de la boxe? Bah, parce qu'on est, avec nos amis, on s'amuse bien, on peut se défouler et ça permet de lâcher nos forces. Ça me motivait parce que je voyais les autres s'amuser et ça m'a donné envie. Et tu n'as pas peur au milieu des garçons? Non. Tu frappes aussi fort? Je crois pas, mais un peu. Plus tard, tu veux faire de la compétition? Peut-être. Je vais voir. Peut-être oui, peut-être non. Que le bras avant, mon bras qui est devant. Regardez, 1, 2, 1, 2. Que ça. Go, allez. Allez, allez. Donc, là, ton bras arrière. Bras avant, c'est celui-là. C'est celui-là, le bras avant. Que celui-là. Boxe loisir ou boxe éducative, ici, la pratique du noblard n'est pas un vain mot. Le ring cargésien, c'est déjà 34 ans d'activité et toujours le même fil conducteur, la formation des jeunes. C'est de la boxe éducative, c'est surtout des jeux. On fait beaucoup de gymnastique, on fait beaucoup de boxe dans le vide. Et vous avez vu, il y a très peu d'assauts. C'est vraiment pour découvrir la boxe. Ils ne sont pas encore en âge de mettre les gants, en âge de se faire mal. Donc pour l'instant, on les prépare. Si après, ils veulent continuer la boxe ou pas. Pour l'instant, ils font du sport et ils se régalent comme ça. Du sac au ring, en passant par la corde, l'exercice rythme les entraînements. L'objectif consiste à s'accommoder d'une activité physique, et ce, à raison de 2 séances hebdomadaires. Une aubaine pour les adeptes de la discipline, pour les parents aussi. Allez, tu t'amuses comme ça avec lui. Allez. Quand on habite Pierre, on a calgé, c'est pour vous dire, de descendre sur Ajaccio pour les enfants du sport. Au moins, c'est tout un canton, c'est des enfants de tout un canton, toute une jeunesse qui bénéficie de ce genre de cours, en plus encadré par des professionnels. La satisfaction est donc unanime, seulement le ring ajaccien ne peut répondre à toutes les demandes d'adhésion. L'exiguïté de la salle empêche la moindre démarche de développement. Toutefois, la tendance pourrait très vite s'inverser. La construction d'un complexe sportif municipal est en projet. Une salle dédiée au noblard y aurait alors toute sa place. L'occasion pour le club de se définir d'autres horizons et de grandir un peu plus dans le regard des autres. Ok, à toi. 1, 2, 3, ok.